On prend de quoi faire deux ou trois repas et on retourne voir les autres. Tant à les aliens, pas très bon, hein. C'est encore mieux. J'ai rien pu faire pour sauver Mathis. Rien. Je suis foutue. Aidez les autres. On est foutu. Il nous a dit d'aller se planquer là-bas. Bon, on met l'interrupteur. Ah là, regardez. Ça marche pas. Et comment on va faire alors? Je sais pas trop. On va d'abord vérifier s'il n'y a pas des moustiques ou s'il y a quelque chose d'intéressant. Et après on verra. On dirait qu'ici il n'y a pas de moustiques. Là, une lampe. Super, mais je te rappelle qu'il n'y a pas de courant. Mon père m'a appris que les circuits des lumières et des prises étaient différents. Alors, si on trouve une prise, peut-être que ça marchera. Là, il y en a une là. Yes, ça marche. Super, on va pouvoir économiser la batterie de mon portable. Ouais, vous avez du réseau, vous? Parce que moi, j'ai toujours rien. Non, ça marche pas, il y a rien qui passe. Moi non plus. On va chercher de quoi manger. On va chercher nos affaires, on les rentre et on se ferme en attendant les secours. D'accord. C'est moi ou il y a beaucoup moins de chips? T'as du mal à regarder. Allez, on mange. Toujours aucun réseau. Et aucune nouvelle de Louane et Mathis. Ça va faire 5 heures maintenant. Ça va, Charlie? Non, je me sens pas bien, j'ai du mal à respirer. Calme-toi et commence à respirer lentement. T'inquiète pas, dès qu'il y a du réseau, j'appellerai les secours. Et si le réseau revient pas, on va pas rester là pendant des jours non plus. Il y aura forcément quelqu'un qui viendra nous sauver, t'inquiète. Cléa, réveille-toi! Qu'est-ce qui se passe encore? C'est déjà l'heure de souper? Non mais t'es sérieuse là? Il y a Charlie qui est en train de faire une crise de claustrophobie et toi tu penses à manger! Je crois que j'ai envie d'aller aux toilettes. Je crois que j'ai trop mangé et j'ai trop bu. Je peux pas encore attendre? Non. Et puis il n'y a pas de toilettes ici. C'est dangereux dehors. T'as plus de bruit. Si ça se trouve, les moustiques ils sont partis. Je te rappelle qu'on est seuls dans le collège et que les moustiques doivent attendre qu'une imbécile comme toi sorte. J'en ai marre que tu me donnes des ordres! Et Cléa, tu dois pas manger et tu dois pas faire ça! C'est bon! J'ai envie d'aller aux toilettes! Arrêtez de vous disputer, c'est quand même pas mon nom. Mais j'ai besoin d'aller aux toilettes. Mais c'est trop dangereux. Mais je m'en fiche. Non, pousse-toi. Reviens. Non. À la fin là. Mais elle est où Cléa? Pourquoi elle revient pas des toilettes? Ça fait plus d'une heure qu'elle est partie. Je sais, elle
elle a peut-être trouvé une autre cachette. Ouais, ou bien elle est morte aussi, j'en suis sûre. Mais arrête de psychoter à la fin. Entendu? Oui, mais c'est les secours. Ça m'étonnerait, ils nous appelleraient. Cléa? Non, elle ferait beaucoup plus de bruit. Il n'y a qu'une façon de savoir, c'est d'ouvrir. Non, on n'ouvre pas, tu crois qu'on s'enferme ici, pourquoi? Mais on n'a pas le choix là. Tu ouvres pas la porte? Non, on ouvre. Allez, tu ouvres pas la porte? Allez, viens. Non. Reste là. Non. Je suis sûre que tu voulais me tendre un piège. Mais qu'est-ce